Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des Jeux du Cygne. Cette fois, le jeu sera un jeu turc. Le titre du jeu, alors excusez-moi, je vais le dire avec mon accent français, je ne parle pas le turc. Donc c'est Ertugrul of Ulukayn. Je suis trop fort, merci, allez, vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. Développé et édité par Tekden Studio, qui est en Early Access pour le moment. Le prix, j'ai pas de prix, ça doit sortir premier trimestre 2025 normalement. Il n'est pas encore en accès anticipé, nous on a une clé preview de chez Preview. Et ce sera un jeu d'action-aventure solo, il est prévu qu'il soit en français. Là il y a des trucs en français, des trucs pas en français, c'est encore un peu le bordel. Il est noté qu'il n'y a pas de support manette, mais la manette fonctionne quand même. Voilà. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai voulu. Et on va passer directement sur le jeu. C'est voilà le petit jeu. Et en fait, on va jouer des personnages dans la Turquie du je ne sais plus quel siècle. Mais en gros, de je ne sais plus quel siècle, voilà. Ça vous avance. Ce sera la troisième personne et les voix sont en turc. Voilà. Donc on va commencer une nouvelle partie. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Chapitre 1 ou chapitre 2. Évidemment, pour le moment, on ne peut faire que le chapitre 1. Et ça va aller. Donc apparemment, il y aura de la fabrication. Vous pouvez coller ça sur un Ghost of Tsushima, par exemple. Ou un... Un Far Cry bien moins évolué quand même, mais je vous donner une idée. Donc ça c'est notre personnage. On va y aller. Comment on fait déjà pour sprinter? Shift, c'est ce shift là. Donc au niveau de l'interface, bon, interface somme toute classique, vous avez une boussole en haut, vos objectifs en haut à gauche, en bas à droite c'est mon cheval, donc l'énergie de mon cheval, etc. Et en bas à gauche c'est barre de vie en rouge, barre jaune, vert jaune là c'est mon endurance. Et à côté, c'est tous nos consommables, et avec la petite photo de notre personnage. Alors, le cheval, ça se conduit assez bien, en vérité. Allez, on sprint. Donc la manette fonctionne quand même, mais pas toutes les touches, c'est un peu bizarre, hein, à mon avis. Je sais pas s'ils ont bossé le support manette ou si de base la manette est native sur le support qu'ils ont utilisé au niveau du moteur. Mais là-bas c'est pas prévu. Non, je suis pour t'appeler. Alors, pour ceux qui... Oui, alors pour ceux qui vont poser la question, si jamais vous avez la question... Vous posez la question, on ne peut pas augmenter la taille des sous-titres. Vous avez évidemment les types de vision pour nos amis, les daltoniens. Voilà, au niveau de la langue, bon bah français, turc, sous-titres, oui, non. Voilà. Donc après en vidéo, je crois qu'on est, voilà, on est en LV partout. Voilà, donc pour ceux qui se poseraient la question. On ne peut pas augmenter la taille des sous-titres, c'est un peu dommage. J'aime beaucoup, moi, augmenter la taille des sous-titres. Appuyer sur F pour chevaucher. Non, c'est pas chevaucher que je veux faire. Voilà, donc, voilà, quand je disais qu'il y avait du français et du... Hop, donc, voilà. Donc, on peut... Hop, avec la touche E. Alors... Ah oui. C'est hop et hop. D'abord cliquer droit, puis appuyer sur E pour mener le cheval. C'est vrai.
Mais non, je voulais que tu l'attaches, Jacqueline. Hop, viens là. J'ai réussi à faire bugger le jeu. Je suis trop fort. Alors. Marche arrière, le cheval. Marche arrière, marche arrière. Oui, le village est toujours en feu. Vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive. Ne vous inquiétez pas. Je mène mon cheval jusqu'au poteau et je l'attache et c'est bon. Don't worry, I come. Ah oui, appuyez sur F. Pourquoi il était monté tout à l'heure? Bien la touche sur laquelle j'avais appuyé. Sakin olasın kızım. Voilà. Donc, maintenant nous sommes à pied. Alors, on a une roulade. Donc le village a été attaqué, le village est en feu. On doit sauver les petites biquettes. D'abord elle est là. Görünüşe göre o şeytan sürüsü Ermeni köyünden geçmiş. Voilà. Ils se sont fait attaquer. Donc le petit sprint. Hop là, on peut climb up. Donc si j'arrive, c'est la même touche que la roulade. Voilà, là où il y a du blanc. Hein. Cette fois, c'est pas du jaune, c'est du blanc. Non mais pourquoi t'es pas monté? Pourquoi t'as fait une roulade arrière, Ginette? Voilà. C'est de l'early access, hein. Enfin, c'est du post early access encore avant. Hein. Donc si ça bug un peu, c'est pas. Il est dingue, là. C'est là, je crois, voilà. Pas grand chose, mais c'est là. Et le dernier objectif est là-bas, dans les étoiles. Donc on pourra évidemment taper. Oui, là-haut. Non, c'est pas là. Ah oui, non, c'est elle. Elle a regardé. Bonjour, Jacqueline. Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide, madame. J'arrive. İyi misin bacım? O da neydi? Hop, ensuite on va dans cette maison, on va avoir le tuto du crouching et du cassage de... Voilà, donc on peut détruire des choses hein, qui sont au sol, soit en tapant dedans, soit en faisant une roulade et on a voilà, ceci qui est en gros, ils appellent ça le Wolf Instinct, mais vous savez ce que c'est. Hein. Attendez, hop, je reviens. Oh. Voilà, c'est bon. Voilà, on peut aussi taper dedans, comme je l'ai dit. On va voir le tuto du crouching. Merde, je ne pourrais plus passer par là. C'est quand même bien dommage. Alors, comme je disais, hein, vous, c'est pas forcément la version que vous aurez. Au niveau graphisme, ça va peut-être pas beaucoup évoluer, mais au niveau de la contrôlabilité du personnage, certainement. Après, le jeu n'est pas moche. Je rappelle que c'est un studio turc qui a fait le jeu. Mais ne me redemandez pas le nom du jeu. Voilà. C'est Ertugrul. Alors, enlevez les touches rémanentes hein, quand il faut appuyer plusieurs fois. Parce que sinon, you are dead. Et votre ordi, il va pas aimer. Par contre, votre touche F, elle va subir dans le jeu. Le gros kick. Et c'est bon. Quel talent. Seni kurtaramayacağız diye çok korktuk Flora. Tanrı'ya şükürler olsun ki yeniden bizimlesin. İyi misin? İyiyim.
Canını kurtardığın için minnettarız sana. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Kimsin sen? Neden bana yardım ettin? Aslında keşifteydim. Arkadaşlarımı arardım. Fakat çığlıklarına duyarsız kalamadım. Hepsi bu. Ayrıca şu an kim olduğumun hiçbir önemi yok. Mühim olan senin güvende olman. Ama yine de... Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Size bu caniliği kim yaptı Flora? Moğollar. Les Mongols nous ont cassé la gueule. Daha ne olduğunu bile anlayamadan aniden köyümüze baskın yaptılar. Geçim kaynağımız olan at arabasını yağmalamak istediler. Her ne kadar direnmeye çalışsak da herkesi merhametsizce kılıçtan geçirdiler. Babam, annem, kardeşim. Hepsi gözlerimin önünde acımasızca katledildiler. Bense hiçbir şey yapamadım. Senin adına çok üzgünüm. Lakin endişe etme. Yaşadıklarına şahit olunca Moğollara karşı içimde yanan öfke intikam ateşimi daha da körükledi. Eğer o esir olmasaydı kim bilir belki ben de ailem gibi çoktan ölmüştüm. Esir mi? Evet. Yanlarında tutsak ettikleri bir Türk vardı. Ona ne oldu peki? Beni Moğol nökerlerinin elinden kurtardı. Sonra bir daha görmedim. Kim olduğu hakkında bir malumatın var mı? Hayır ama zırhının üzerinde kayı damgası var. Hangi yöne doğru gittiler? Kuzey yönüne doğru gittiklerini gördüm. Verdiğiniz ipuçları için hepinize minnettarım. Kalın sağlıcakla. Alors, je sais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre du turc, hein. C'est très bizarre par rapport à de l'anglais ou du japonais qu'on a plus l'habitude d'entendre sur des jeux. Le turc, ça fait vraiment très très bizarre à l'oreille. Yolumu devam etmeliyim. Même tous les jeux dont Moğollara tutsak düşen jours, esir aradığım arkadaşlarımdan personnellement, je n'entends pas du turc tous les jours. Atımın bağını çözmeliyim. Et c'est un peu surprenant d'entendre d'entendre cette langue, mais c'est mon avis personnel. Alors il faut faire le tour hein, parce que ça vous pouvez pas passer à travers ces bûches là. Donc il faut bien faire le tour. Hop, on va reprendre le cheval et donc là on va avoir tout un autre tuto sur. Voilà. Donc là on doit revenir près de revenir là. Hop, faire F pour détacher le cheval. Et donc là, on mène le cheval. Et on peut, hop, en le menant, aller près du cheval, regarder le cheval et monter. Alors, ça, pour le moment, monter sur le cheval, c'est un peu casse-couille. Vraiment. J'espère qu'ils vont améliorer ça. C'est parce qu'il y a des angles où des fois vous pouvez, des fois vous pouvez pas. Onların gittiği yönden emin olmak için etrafı incelemem gerek. Alors là, on va nous reparler du Wolf Instinct, qui nous permet de voir des traces, sur quoi on peut interagir, les flèches, etc. Permet de voir ce qu'on peut récolter, des trucs comme ça. Donc, hop. Bah alors. Pourquoi j'ai passé mon clavier en anglais pourtant On s'en fiche. Bu damga Moğollara ait. Ama ilerleyişim için daha farklı emarelere ihtiyacım var. Voilà. Il est vraiment passé en anglais cette fois. Bulduğum nalın eşlerine ait olan izler işimi kolaylaştırabilir. Suivez les empreintes des chevaux. Très bien. Donc là, hop. On va nous dire de faire du Wolf Instinct, poursuivre les empreintes. Alors, allons par où? J'ai l'air d'aller par là. Hein. Ok, ça va par là. Toynak izleri. Doğru yolda olduğumun işareti. Bulduğum nal demek ki bu atın ayağından düşmüş. Suivez les jaunes, hein, pas les rouges, hein. Jaune, ça fait plus objectif, quoi. Examinez l'objet sur le sol.
Hop. Alors on ne peut pas examiner depuis le cheval, hein. Il faut descendre de cheval. Et on peut appeler le cheval, hein, comme dans beaucoup de ces jeux. Sungur Tekin'in madalyonu. Muhtemelen Flora'yı kurtaran esir oydu. Karşı tarafa geçmenin bir yolunu bulmam icap eder. Bu sayede Sungur Tekin'e ulaşabilirim. Chercher un autre chemin. Est-ce que ce serait le passage de tout à l'heure où il y avait des traces rouges? Peut-être. On ne sait pas, hein. Oh bah mince alors. Tiens, les traces, elles sont pas sur le sol, elles volent. Marrant. Je n'ai pas vu ce détail lors de mon test. Alors pourquoi je vous montre surtout le tuto, hein. Comme ça, vous allez voir, le tuto est relativement bien fait. Ah, le meilleur tuto de l'univers non plus, hein. Après, c'est un tuto, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien le jeu. Le jeu, je le trouve beau. Après, il faut voir. Bon, j'ai pas le prix de vente, c'est sûr. Mais si on nous dit le jeu va être vendu 75 euros. Je crois que le monsieur est mort. Ah, une hache. Et une épée. Şimdi de Turgut'un baltasıyla Ertuğrul'un kılıcı. Kafam oldukça karıştı. Sungur Tekin'i kurtarmaya çalışan Turgut ve Ertuğrul. Acaba onlar da mı Moğollara tutsak düştü? Yoksa hepsi öldü mü? Şayet öyleyse bedenleri nerede? Rejoignez la colline. Elle est loin cette colline. Ah là-bas. Hop, on y va. Voilà, donc le jeu est beau. Après, faut voir aussi avec les. Ça reste des Turcs et que ça c'est pas non plus. Un énorme studio, quoi. On va éviter de combattre. Donc on ne fait pas le tuto de combat, hein, évidemment. Mais ça va venir assez vite, ne vous inquiétez pas. İninize girmeden işin aslı ayyuka çıkmayacak. Hayma Ana ve Flora'ya verdiğim sözü yerine getirmeden de Kayı Obası'na dönmeyeceğim. Ya sete. Tabii. Hoca bakasın. Helal be. Hız lan Turgut, hadi! Turgut'u karşıla Meryem! Ertuğrul! Ya Hak! Eh oui, quel talent! On fait du cricket turc! İşte bu kadar kardeş. Çevgeni biz kazandık. La belle façon de montrer les personnages qu'on va jouer.
Aklımıza hükmetmeden... Aklımıza hükmetmeden... Nefsimizi sabırla köreltmeden... Nefsimizi sabırla köreltmeden... Ve kalben inanmadan... Hiçbir mücadeleden zaferle ayrılamayız. Ocağımıza ait üç nizamın hakkını versen dahi... Rakibini katiyen hafife almamalısın Ertuğrul. Teke derisinin tadını yeterince aldık. Haydi biraz da et çiğneyelim. Ye ise kapılmayasın kardeşim. Bir dahaki sefere kazanan taraf biz olacağız. Eyvallah kardeşim. Var olasın. Ağabeyim haklı olmasına haklıdır. Fakat bazen de zafer güçlü bir uyum ister. Turgut Alp'in yerine senin takımında ben olsaydım şayet... ...ağabeyimi rahatlıkla alt edebilirim. Hadi oradan be! Bükemediğin eli öpmesini bileceksin Turgut Alp. Büyük okuma ye, büyük söz söyleme hatun. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Her zamanki Meryem bacı işte. Bilmez misin? Sen de yangına körükle gitmeyesin. Tamam, öyle olsun. O vakit gidip zafer yorgunluğumu taçlandırayım ben de. Faruk Bey, Ertuğrul bu kez seni yenmeye çok yaklaştı. Benim kolay lokma olmadığımı iyi bilirsin Orasan. Bileği bükülmez bir cengaver olduğunu bu diyarlarda bilmeyen yoktur zaten. Ben yalnızca latife ederim beyim. Eyvallah. Sence Ertuğrul bey olmak için hazır mıdır? Yüzlerce kişiyi eğitip kuşandırdım. Lakin onun gibi yüreği pek... Bileği kavi olan yiğit birine hiç rastlamadım. Karşısında en inatçı küheylan bile dize gelir. Bilakis beylik yolunda tek eksikliği kendi toyluğudu. Bilhassa yanarak pişmesi icap eder dersin. Aynen öyle. O gün çattığındaysa beylik yolunun önünde Sungur Tekin dahi duramaz. Arkası bu. Un petit oiseau. On peut pas dire que le jeu est moche. Sungur Tekin. J'aurais pu être turc. J'en suis sûr. Görevin ululuğunu asla unutma oğul. Her ne pahasın olursa olsun vazifeyi yerine getireceğimi bilesin baba. Hızır ata yoldaşın, Allah yardımcın olsun. Il a lâché le coffre. Mais c'est parce qu'il a pris une flèche, hein. Pauvre petit. Sungur Tekin! Erlikan için! Sandığı alın ve hepsini öldürün! Soysuz itler! Alplar! Sungur Tekin'i ve emaneti koruyun! Baskın! Koşun! Baskın! Gayrı akacak kan damarda durmaz Ertuğrul. Tektir Allah. Haktır Allah. Tektir Allah. Okay. Je sais pas ce que ça veut dire. Allah, ça peut être une référence avec Dieu, mais je ne saurais que trop le dire. Pusatın keskin, avın bol olsun yiğidim. Tout a brûlé. Alors, équipe Sword and Shield. Ne le fais pas. Ah, c'est le fameux... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le fameux truc anglais. Voilà. En fait, tu dois faire... Voilà. Appliquer. Voilà. Normalement, maintenant, c'est bon. Voilà. C'est vrai qu'il y a ça. Donc, on peut bloquer, on peut taper et on peut rouler.
J'ai l'air d'un con là, à lui montrer mon dos. Hop. Allez, vas-y. Aïe. J'ai pris un coup de bouclier dans la gueule. Ils sont deux contre un, bande de salauds. Voilà. Viens de moi. Sont trop nombreux. Eux tout drink potion. Ça va, il m'en reste 9. J'étais en position de défense. Aïe. Je vois rien. Les handicapés. J'étais en... Je lui demandais... Je viens de te demander de boire une potion, merci. Comme en vrai, hein, quand t'es à 2 contre 1... C'est un peu compliqué. Voilà. J'étais en bouclier, hein. En fait, il faut vraiment bien mettre le bouclier dans le bon sens. Et des fois, c'est un peu compliqué. Allez, on y va. Tu vas l'aider, mon copain. Ouais, c'était pas dur. Faible. Hop. Alors, pourquoi il veut pas... Merci. Quel talent. Yanan çadırı kolaçan etmem gerek. Zira yardıma muhtaç insanlar olabilir. Donc, le petit looking. D'accord, j'étais en bouclier. J'avais coup de grâce. Pourquoi il a... Pourquoi ça a disparu? Je ne sais pas. Aïe, je vais mourir. Prends une potion. Mais ils sont 12. Mais je peux plus... Allez. En tout cas, ce qui est bien avec le tuto, c'est qu'il vous montre bien que le jeu va être facile. Le jeu te montre s'il y a plusieurs mecs, barre-toi. Parce que quand il y en a qu'un, ça va. Ça va faire mal, ça. Oh, il a pris très cher, Jackie. Sauvez les enfants. Ah. J'ai pas envie. Sinon, c'est des futurs délinquants. Ah.
Ve voilà. Ertuğrul abi. Ertuğrul abi. Ertuğrul abi. Haydi. Bir an önce dışarı çıkmalısınız. Bana doğru gelesiniz. Serdar Alp. Balaları tez vakitte Çevgen alanına ulaştır. Zira en tekin yer orasıdır. Buyruk sizindir beyim. Beni takip edin. Canını hiçe sayıp bizi kurtardın. Artık kahramanımızsın. Tamam. Heavy Attack Tutorial. Comment on fait ça déjà, je ne sais plus. Defender Enemy. Attendez, mais nous, comment on fait déjà? Je ne sais plus. Ah oui. Contrôle. Alors ça aussi, ouais. Pas ce contrôle là, c'est celui-là. Aïe. Je vois rien. Aïe. C'était pas ça que je voulais faire. Ce serait quand même beaucoup mieux avec une manette, hein. Je vous le dis tout de suite, mais... Il est solide, le bougre. Allez. J'ai eu beaucoup de poison sur moi. Ça explose. Ils ont commencé très tôt, hein. Presse. Et il tire pas, donc forcément ça aide pas. Donc parce que j'ai appuyé hein, sur les deux touches, mais plus j'aime bien c'est le press. Si tu sais pas que c'est 3, bah il te le dit pas. Toujours pratique. Ah, ils sont où? Bravo. J'ai bien aimé la caméra qui a bougé au dernier moment. Mais ce serait bien qu'on les tue en une seule flèche quand même. J'avais pas fait cette partie là et c'est bien. De voir qu'il faut trois flèches, enfin plus de deux flèches pour tuer un mec. Il faut deux flèches pour tuer un mec. C'est chaud, hein. Et là, je l'ai eu en une seule... je sais pas pourquoi. Ah, il y a peut-être une question de... de distance. Plus de potions de soin. On est dans la merde. Allez. Hop,
C'est destructible, ça. Ah, mais ça aussi. On dit que je peux interagir avec, mais j'ai pas l'impression. Ah, c'était peut-être pour passer en dessous, oui. Abi. Ça ira mieux comme ça. Il bouge. Arrêtez de bouger, monsieur. Abi. Ya Allah. J'ai pas fait attention. Haydi. Kalk ayağa Ertuğrul. Sungur Tekin'i gözden kaybettik. Durumu pek iyi görünmezdi. Moğollar Kilimhane'yi yakıp yıkarlar. Haymana ile Halime Hatun'u en son orada görmüştüm. Tasa etmeyesin yiğidim. Sungur Tekin başının çaresine bakar. Bir an önce Kilimhane'ye ulaşmamız icap eder. Anamın ve hatunumun canı tehlike altında olabilir. Gerçek bir kurt gibi... Pençelerini geçir o çakallara, Ertuğrul! Je vois rien. Je sais même pas si je les touche. Allez, j'ai touché. Protégez-moi! C'est nous maintenant qu'on est deux! Ah d'accord, ok. Si tu le touches pendant que t'as l'action coup de grâce, tu lui redonnes de l'endurance en fait. D'accord, c'est un peu con mais pourquoi pas. Haymana'nın sesidir bu. Yardıma ihtiyacı var gibi. Susamış Cengiz Han gelse dahi Kutlu Kayı obasını asla zayi edemeyeceksiniz. Her halükarda döşeklerimizin köleleri olacaksınız. İt soyları, şeberin köpekler. Par contre votre perso, il faut pas lui demander de se presser hein. Mais t'as le droit de le toucher hein. On y va. Ah oui, c'est la victoire. D'accord. Il est mort par mon regard. Ok. Ils sont où ces petits cons? Ah, ils sont là. Alors, sachant que c'est pas un toggle, hein, vous devez rester appuyé hein, pour viser avec l'arc. Ouais, ton bouclier ne te protège pas les chevilles. Tu ne peux rien contre mon ingéniosité. Voilà.
Mais déjà donne-moi. Faut juste 15 flèches pour tuer un mec, mais... Tu ne peux rien contre moi, je suis plus intelligent que toi. Je crois que je tire dans ma sœur. Quel talent. İyi misin Halime Hatun? Sayende beyim. Hızır gibi yetişip canıma can kattın. Allah sana zeval vermesin. Ana! Oğul, babanla ağabeyin hakkında bir malumatın var mı? Aşot'a koruyan atların çoğu şehit düştü. Süleyman Şah zor durumdadır. Eşhedü en la ilahe illallah. Fakir'i mi? Acele et Ertuğrul. Babanı bul. Siz gidin. Ben buraya mukayyet olurum. Haydi Turgut! Hepsini ezip geçelim aslanlarım. Kayının kuvvetini... Ve bana. Tez babama varmalıyız. Haydi kardeşim! Allez-y, hein, moi je vais jeter des barils. Ah, ça enlève beaucoup d'endurance là, hache à deux mains. Vous allez me dire, c'est logique. Allez, d'abord. En avant! Koş Ertuğrul! Il n'a pas de vie, lui. C'est-à-dire qu'il peut pas mourir? C'était un figurant. C'était un intérimaire du spectacle. Je vois rien. Toi aussi, t'es un intérimaire du spectacle, non. Ah, c'est chiant. Franchement, le coup de si tu les tapes quand ils ont plus d'endurance, ça leur redonne de l'endurance, c'est très chiant. Pas bien. Vas-y, on enchaîne. Ah. Ils ont cassé l'escalier, je ne peux pas passer. Je vais devoir donc passer par ces caisses. Papa! Papounet, es-tu là?
Songur Tekin. Gittiği yerden hala dönmedi. Hangi yöne doğru gitti baba? Arka çıkışa doğru. Ağabeyini bul evlat. Buyruk beyimindir. Ailesi dışında, Ahlat hudutlarında yıllardır huzur içindeydik. Birdenbire kuduz bir it gibi ne diye obamızı tarumar ettiler dersin. Kötülük hep dinçtir. Gözü hiç uyku tutmaz kardeşim. Sorduğun sualin cevabıysa bana göre içimizde saklıdır. Nasıl yani? Ağabeyimin herkesten gizli tuttuğu hususi şeyler olabilir Turgut. Hem de Moğol keferesini ilgilendirecek kadar. Bu denli benim şey ne olacak? İmdilik ben de bilmem. Lakin bu sırrın kilidini açacak anahtarın Sungur Tekin olduğunu düşünürüm. Ancak onu bulmadan hakikate vakıf olamayız. Allez, on y va. Kenger otu. Bu ot cerahati iyileştirmede oldukça mahirdir. Haydi yaralarımızı saralım beyim. Les collectes, les objets collectibles. Comme je le disais, vous allez pouvoir collecter des objets. Avec... Évidemment, au fur et à mesure, vous allez apprendre à les reconnaître. Récupérer de l'eau. C'est vrai qu'on peut appeler le cheval avec H, j'avais oublié. On va quand même aller jusqu'au craft. Hein. Il est où leur, leur point d'eau là? Pas de l'eau ça! C'est du bois! Peut-être ici c'est de l'eau. D'accord, ça c'est de l'eau. Craft an elf potion. Donc. Voilà. Donc voilà un peu le craft qu'on va pouvoir faire. Donc nous on veut une elf potion. Alors, c'est très facile à faire, donc c'est-à-dire que là, vous maintenez Q, vous allez sur votre, avec votre, votre souris sur ce que vous voulez, et vous maintenez R. Ah ouais, trois bâtons, ça fait une flèche, d'accord.
voilà un peu pour le craft. Et ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette petite découverte de ce jeu Air to Gruul. Et on dira que ça, parce que j'arriverai pas à dire le reste. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.